Germaine Joly alias Yon gen 4 douzaines chefs d'accusation sous dol. Accusation sa yo gen pouwe ak contrebande zam en Haïti, violation loi américaine sous exportation et puis blanchiment l'argent qui sorti dans kidnapping, ça qui permet yo supporter violence gang yo dans pays ya. Dans zam sa yo qui rentre dans contrebande, nous joine plusieurs fusils AK-47 ak M1A et puis tout en pile cartouche qui ka pèse même machine la police. Matériel sa yo acheté dans meilleure série marchand zam dans Miami ak l'autre zone qui en dehors Florida. C'est ça acte d'accusation juillet 2022 a précisé. Parmi preuve procureur américain sa yo a cherché présenté gagné un appel dans téléphone yon yon te fait pour te capable joindre libération yon diplomate dominicain qui gen nationalité américaine que bandi 400 maozo te kidnappé. Yo te kebe diplomate sa en otage nan date 29 avril 2022. Pendant li nan prison aux États-Unis, Germaine Joly, tout le monde connaît sous nom Yon, te accepté aider FBI nan kasa. C'est ça, gouvernement américain dit nan document judiciaire présenté yo. D'après sa journal Miami Herald rapporté, FBI te autorisé le rele Gaspi Yay, yon mam actif nan gang 400 Maozo pour te coordonner libération otage la. Après plusieurs appels, diplomate dominicano-américain te joint machine li et ôté la gueule pour aller dans l'ambassade République Dominicaine en Haïti. Bien que yon yon te dans prison pendant kidnapping missionnaire américain yo, pour qui rayo dit, li te joué un rôle important dans libération diplomate là. Autorité yo fait connait, li te montré, li te toujours gen contrôle gang 400 Maozoa et li au courant de tout kidnapping. A Claude Vieza kap fèt nan baz la. Gen lot preuve an kote an kou, communication ki te genye ant Yon Yon ak Elian Tunis 44 l'année, yon citoyen américain d'origine haïtienne ki habite Pompano Beach, Florida. Selon prokire yo, de moun sa yo te an kontak souvent pou diskite sou ki tip de zam 400 Maozo bezwen pou yo fonksyone. Madame Tunis te facilite monsieur yo achete zam ak katouche bon côté yon série revendé qui autorisé dans Orlando, Apopka, Miami ak Pompano Beach. Le ou fin achete zam sa yo, yo démonté yo, vlopé yo nan divers sac poubelle noir, emballé yo en barade, souliers ak lot funiti et puis voyé yo en Haïti pour gang nan ka utilisé. N'a fait connait pendant procès sa kap démarrer jodi mercredi a, Germaine Joly alias Yon Yon risqué prendre une peine maximale qui pralé jusqu'à 20 années prison pour chef d'accusation qui pi grave la qui c'est exportation zam en Haïti sans li pat gen licence américaine qui approprié pour ça. D'après journal Miami Herald, procès a ta doué montrer qui façon groupe examen opéré en Haïti. Procès a doué fait nous river ouais tout lien qui gagnent entre trafic zam en Haïti qu'a fait depuis États-Unis, violence gang yo à question kidnapping nan. Acte d'accusation fédéral la dit gen au moins 16 gros am lagé qui acheté sorti mitan mois septembre pour albout mois octobre 2021. Yon Yon ak madame Tunis akize comme moun ka fait blanchiment l'argent international pour capable faire promotion crime ak violation loi fédérale américaine. La justice aux États-Unis identifie Yon Yon comme chef gang qui était responsable kidnapping missionnaire américain en Haïti nan mois octobre l'année 2021. Autorité américaine yo fait connait li se youn nan chef gang ki pi seleb sou territoire haïtien ki tap dirije yon série opération criminelle et puis gérer question négociation les gang 400 Maozo fè kidnapping. Après yo fin extradel sou territoire américain nan mois mai 2022, Germaine Joly alias Yon Yon ki gen 30 l'année pral fè face jodi mercredi a ak yon procès avec assistant jury devant yon tribunal fédéral nan Washington. Depuis l'État Floride aux États-Unis. Luxon Saint-Ville pour Caraïbes FM.